Zombie apocalypse. Salut poupée. Ça te dirait une déesse premios? Vous avez quoi? Tout ce que tu veux, les hommes et les femmes de tes rêves, la crème de la stimulation synaptique. Ici, pas d'acteur de virtu porno au bout du rouleau ou poupée camée. On fait du travail d'auteur. T'emballer le cœur et te griller le système nerveux. Comme de l'ecstasy numérique. C'est ça que les gens viennent chercher ici. En tout cas, vous savez attirer le client. J'attire personne, je te préviens. Ici, on offre du sur-mesure, du personnalisé. C'est pas pour toutes les synapses. Tu penses pouvoir supporter ça? Je suis déjà venu. Je me souviens pas de toi. Parce que je suis pas passée par devant. Tu sais que t'es marrante. Bon, les règles sont simples. Si quelqu'un te tape dans l'œil, tu touches pas. Tu cherches dans le catalogue, tu demandes une déesse et tu te trouves un box. Pas d'enregistrement, pas de tripotage dans le dos des videurs. Tu peux y aller. Amuse-toi bien, poupée. Bienvenue, Olysis. T'es à croquer, toi. Ce sera. Cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là? Qui la demande? Quelqu'un qui donne de généreux pourboires quand on répond à mes questions. J'apprécie le geste, crois-moi. Mais on ne paie pas pour parler. Ce serait plutôt le contraire, en fait. Tout va bien, Matteo. Je l'attendais. Parker. J'ai su que c'était toi à la minute où t'es entré. Vous pouvez pas venir me voir tout de suite? Je voulais d'abord t'observer un peu. Eh, vous aimez ce que vous voyez? Si c'était pas le cas, tu le saurais. Crois-moi. Viens. Il y a un endroit où on pourra parler sans craindre les oreilles indiscrètes. On va au salon, Matteo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Alors, qu'est-ce que... Rien, je te jure. Pourquoi tu ne dis pas la vérité comme toi? Je viens de te le dire. Tu fais un truc un peu coquin. Dex en avait des choses à dire sur toi. Tu serais professionnel, efficace et digne de confiance. J'espère qu'il n'exagérait pas tes qualités.
Je suis une experte. V. Et j'ai une équipe de pros avec moi en plus. On n'a jamais bâclé un boulot. Tu réalises qu'il ne s'agit pas de dépouiller des terminaux de rue, n'est-ce pas? Ce sera bien plus compliqué. Je suis la meilleure, et je sais dans quoi je fous les pieds. Dex a été très clair, c'est un boulot à haut risque. Au fait, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, Dex et toi? C'est bien gentil tout ça, mais je suis pas venue là pour qu'on me fasse de la lèche. Non, tu es là pour obtenir des infos. Des infos qui pourraient changer ta vie. Ah, là vous m'intéressez. Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protéger votre âme. Une technologie clé, en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Konpeki Plaza. Tu y es déjà allé ? Un hôtel corpo de luxe ? Non, pas vraiment dans mes moyens. La décoration est à tomber. Tu verras ça par toi-même. Bon, cette puce, elle est planquée où, au juste ? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. Il est à Night City. Faut croire que les infodocs disaient vrai pour une fois. On ne parle que de ça dans toute la ville. Tu ignorais que le dernier fils vivant de Saburo Arasaka, l'héritier probable de l'Empire Arasaka, était ici? Quoi? L'Empereur se prépare enfin à céder son trône après 150 ans? J'ai comme un doute. Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Et vous en faites partie? V. Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois mon atout? Ou il faut acheter des optiques? Donc, aucune protection Arasaka sur la puce, parce que Yorinobu l'a piqué en douce. Où est-ce qu'il la cache alors? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où, cette mallette? Tu le sauras bien assez tôt, si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Ok. Et maintenant? Maintenant, on passe au meilleur. Suis-moi. J'ai quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton coup. Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibards virtuels? Ouais. Tu en sais ce que je dans un box? Non. Toi, ça peut réfléchir. Aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine, même améliorée. Exactement ce qu'il te faut. Y a quoi sur cet enregistrement? La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça? J'ai un implant d'enregistrement de DS. C'est un souci? Si ça monte la part de Yorinobu, ça veut dire que vous y étiez. Vous vous connaissez? Comment j'aurais eu toutes ces infos autrement? Je connais plutôt bien, en fait. On a un arrangement. Strictement professionnel. Et ça nous convient à tous les deux, je pense. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une Mox. Et je la connais depuis des années. V, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidée. J'ai confiance en elle. Mais oublie pas, c'est une Mox. Pas le dernier membre de ton équipe.
Alors sois gentille. Marche sur des œufs et tiens ta langue. Relax. Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé comme en affaires. Ah, vous voilà. Je te présente V. Elle est là pour la déesse. Et V, voici Judy, la meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. J'ai compilé ta déesse, Eve. Alors, tu crois que ça va aller? C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour elle. J'ai vu bien pire, crois-moi. Tu devrais jeter un œil au porno de Jig Jig Street qu'on doit se taper des fois. Alors on laisse V plonger, pour qu'elle jette un œil, qu'elle fouine un peu, ok? T'en dis quoi, V? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé? Je devrais tenir le coup. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pose-toi, installe-toi bien, et on va commencer. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Non. Pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement. Bien, maintenant, on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois. Pas nécessairement, mais ça vaut le coup d'attendre. Laisse-moi encore 2 minutes et tu verras ce qu'on peut faire avec une analyse de DS. Encore 1 seconde, je dois intégrer les limiteurs de nocicepteurs. Voilà, c'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour ta famille. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement. Pourquoi on perd tout ce temps? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Vas-y, envoie. Je vais te faire commencer par la version soft. Que tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans 3... Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Chez vous, face contre terre. Je veux vous voir lécher le sale. Le fric, vite. Je te jure que je te bute. Oui, je... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête. Ah. Doucement, respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline, mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vie. Ce choc intense, fulgurant, je le sens encore, je me souviens... Cette putain de dernière seconde. T'aurais pu me prévenir que ça faisait aussi mal de mourir. Crois-moi, la vraie mort est bien plus douloureuse que ça. J'en suis pas si sûre. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré.
On va pouvoir passer en mode édition. Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si tu avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Vas-y. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, figé. C'est Nova, non? Eh ben, c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaie. Rembobine jusqu'au tout début. Et j'y m'en vais. Oui, tu nous qui se fait ça, c'est un homme aux ongles, je vais te prendre. Bien, super. Maintenant, essaie l'avance rapide. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. Non, tu piques le cache, tu ressors, on va te faire du studio. Ok, tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement pour revenir tout au début. Vas-y, essaie. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomar lui a donnée au début. Maintenant, scanne-la. Bon, le plan est simple. Tu fais bizarre, t'as pas. Non, tu piques le gars. Psycho du studio. C'est bon, figé. T'y vas à fond. Ils nous font un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Voilà, juste là. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et des bruits de fond si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout, dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Sérieux, on aurait dit que ça se passait à côté de moi. C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout, tous les éléments de fond, puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons, explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. DS brut, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Waouh, terrible. Maintenant, on attend que le Zig frappe le pommard au comptoir. Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée, essaie de l'analyser. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Mais vite! Je te jure que je te bute! T'as vu ça? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. Ce qui sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée? Caméra de surveillance. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran, derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin, et scanne-le.
Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Un type refroidi en live, les fans de déesse sont prêts à payer Ruby pour ça. Voilà, si t'en as vu assez, tu peux quitter. Impressionnant, non? C'est dommage que la majorité des déesses qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prête à mater ton enregistrement? Je sais pas. On peut faire une pause, je me sens encore comme ce gamin quand j'ai eu ma dose, là. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui ? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Judy, T-Bug est une pro. Y a pas plus discret. Tu peux lui faire confiance. Pourquoi ? Juste parce que tu le dis ? S'il te plaît, Judy. Je ne te mettrai jamais en danger. Tu le sais. Ok, V. Appelle T-Bug et on te fera plonger. Salut, V. Quoi de neuf? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un? Aucune importance, Bug. Concentre-toi. J'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Tu pourrais recevoir ma demande... maintenant. Ok, reçu. T'es prête? Millisecondes. Ok, connexion confirmée. Coup de glace temporaire rapide et... c'est tout bon. Prête à danser. Envoie la déesse, Judy. Ok, V, on se concentre. Il faut qu'on trouve où Yorinobu garde cette relique. T'es une vulgaire bouillon paisable, hein? Merde, des caméras bourrées de nouvelles tech. Capteurs de mouvement, activateurs de signature thermique, IFF. T'arriveras à tout neutraliser? Avec mon talent? Facile. Je dois juste accéder à leur sous-réseau. Pour une minute. Tu devrais écouter cette conversation, V. Ça pourrait être important. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer... Mon père est un vieillard aveugle et fatigué. Qui croit que tout sera? Éternellement, je ne ferai même pas. Vous allez écouter ça. Sabro qui a été convu. Plongé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus. Un monde qui n'a peut-être jamais existé. Louis et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Il s'est prié de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage. J'entends un ronronnement. Ventilation et clim.
Sûrement des serveurs. Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. Je suis particulière. Vous devez c'est respecter. T'as entendu? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la. Désolé pour... pour l'attente. Les affaires, c'est pas pénible. Tu as fait vite. Je n'ai pas... même pas eu le temps de m'ennuyer. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air un peu tendu. Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main. Ah, toi, tu m'en voulais quelque chose à moi? J'ai des choses. Sur moi. Il te reste des friandises? On s'est bien amusé la dernière fois. Ici. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Ah, oh, ça devrait... Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial. La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congélo? Ouais, autrement elle pourrait se détériorer. Ok, active la détection thermique dans l'éditeur. On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce. Chargé, mais il y a le cran de sûreté. C'est bon à savoir. Une fois sur place, faudra pas oublier que ce crasher est là.
revient. Très joli. Allez, viens pas ici. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Ah, ça, ça devrait te plaire. What love is all about. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Ah, oh, ça, ça devrait te plaire. Périrez pour une bonne cause. Mais où aller? J'en ai plus que pour une minute. Et là où aller? J'en ai plus que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer. Mon père est un vieillard aveugle et fatigué qui croit que rien ne changera. Bien, je capte la signature thermique. Ses caractéristiques correspondent à la doc. La mallette de Yorinobu est là, aucun doute. On l'a, bien joué. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. Oh, du Donagi. On dirait que Monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. Je vais effacer le cache et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venu. Garde-le. Je vais mettre ça sur l'ardoise d'Eve. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. En parlant d'ennuis, vous savez à quoi vous me faites penser ? Vous me faites penser à deux mortes en sursis. On avait besoin de cet enregistrement, Judy. Avec la déesse, le boulot est presque déjà fait. Cette déesse va nous faire buter. Je plaisante pas. Si Arasaka apprend que vous l'avez, vous êtes morte. Et moi aussi. Judy, détends-toi. Personne n'en saura rien. Evelyn, je t'en prie. Pas de risque inutile. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors sois prudente. Je le serai. Et j'ai... encore des choses à te dire. Viens avec moi. Alors, t'en dis quoi ? Je crois que j'ai compris comment vous en savez autant sur Yorinobu. C'est simple. Les hommes parlent un peu trop sur l'oreiller. C'est qu'une question de sexe, alors. Ce sont les affaires, et rien que ça.
Bon, et maintenant? V. Fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paye, toi et moi. Sans intermédiaire. Sans Dex. Si j'accepte, je le paierai cher. C'est garanti. Je sais. Quoi que tu décides, ça restera entre nous. Je peux t'offrir 50%. Assez dédié pour mener la vie dont tu rêves. Je serai grillé dans cette ville. Dex me pardonnera jamais un coup pareil. Dex n'est pas le seul fixeur de la ville. Mais personne d'autre ne te fera une offre pareille. Je vais y réfléchir. En cas de besoin, appelle-moi. Je vais t'envoyer mon numéro. Ok. Bonne chance. Allez, vas-y. Tu dois voir deux ou trois choses avec Jude. Comment ça se présente, Miss V? Bien sûr! Tu peux compter sur moi. L'enregistrement qu'Evelyn a fait au Konpeki, ça valait le détour. Fantastique. T-Bug m'a appelé. Elle fait travailler ses doigts de fée. Tout est prêt. On est bon. Et maintenant? Maintenant, tu fais le travail que je t'ai demandé. Tu voles la biopuce. On poursuivra cette discussion à l'Afterlife. Rejoins-moi là-bas. Ok, j'y serai en moins de deux. Au revoir, Miss V. Allez, entre! Orbital Air, 快適な宇宙の旅をお届けします。